tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gimmicky. Mais on se retrouve aujourd'hui les gens pour une vidéo spéciale unboxing sur la nouvelle console. Bah vous l'avez vu de toute façon sur la miniature. Bah oui, de Nintendo. Switch OLED spécial Splatoon 3. Splatoon 3, pas Splatoon, hein, spécial Splatoon 3. Splatoon 3. On a reçu ce colis ce matin et du coup on s'est dit bah il faut qu'on se dépêche pour vous en profiter visuellement parce que même nous on va la découvrir aujourd'hui. On vient juste de voir le carton, j'avais même pas vu l'arrière. Merci à Nintendo qui nous l'a envoyé pour faire un unboxing, d'ailleurs aussi pour parler accessoirement du Splatfest qui arrive demain, bah toute oui. la journée, vous pourrez être pierre, alors, feuille ou ciseaux. Si vous avez suivi, il y a le sondage dans la communauté, oui, exactement. Il y a 10 000 personnes qui ont voté je crois, bon bah c'est la team pierre qui est devant. Mais on y croit même si on est feuille ou ciseaux, vous pouvez télécharger et déjà jouer. Oui, bah, c'est ce qu'on va faire à la fin de la vidéo, voilà. On ira choisir notre camp. Il y a ça. En tout cas, faut faire péter la barre de pouce bleu, faut s'abonner à la chaîne, faut nous dire si ça vous plaît. De toute façon, dans tous les cas, on se retrouve le 9 septembre, là, le jour de la sortie du jeu Splatoon 3 pour découvrir le mode histoire, le mode online, ouais, le c'est mode ça. Bah, de toute façon, il y aura plein de vidéos le 9 septembre, donc oui, faut être au taquet, exactement. Faut pas hésiter à s'abonner, activer la petite cloche. Alors, sans vouloir trop mouiller, même si la Switch Mario était sympa. Bah, les plus beaux Joy-Con, je sais pas, parce que les Joy-Con Zelda sont quand même assez ouf. C'est vrai. Oui, mais il y avait pas de console qu'elle avec. Est-ce que c'est pas une des plus belles consoles Nintendo qu'on ait, collector? Le dock est ouf. J'ose espérer que pour Breath of the Wild 2, il y en aura une aussi belle. On espère, on fera déjà. Mais déjà, la Splatoon 3, on va ouvrir tout ça. Ah oui, on l'a ramené. C'est la même taille, pour comparer un peu, c'est la même taille. Même visuel. Ça veut paraître même derrière, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'un côté Joy-Con, dock, enfin voilà. Ouais, Switch arrière et Joy-Con. J'étais en train de l'ouvrir, j'ai même pas encore ouvert. Vas-y. On a même pas regardé, on va se garder la surprise ici, on va donner notre avis parce que du coup elle est sortie, elle est environ à 339€ je crois, sauf qu'il n'y a pas le jeu. Donc, non, il n'y a pas le déjà, jeu. Déjà gros point à faire attention, il n'y a pas le jeu. C'est ça. Splatoon 3 dans cette édition. Et la boîte déjà est très jolie. Bah c'est la pochette du jeu en fait. Est-ce qu'il y a des customisations? Ouais, des trucs oh sur les là côtés. Là, ils sont beaux. Il y a des trucs sur les côtés. Les petits Joy-Con qui sont, je pense. Violet. Oh là 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 là. Ah l'arrière derrière. Est trop bien. Oh, derrière, c'est il y a un tentacule. L'arrière, ouais, il est trop, trop cool. Bon, attends, je vais mettre ça de côté. Donc les Joy-Con. Les Joy-Con. Le bleu-violet. Oh là là, mais. Et les, vert jaune. Et derrière, c'est vraiment des tentacules. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était les pattes de poulpe, là, comme ça. Hop. C'est ultra stylé, c'est du blanc presque transparent, ouais. Oui, j'avoue, ouais, un peu translucide. Ils sont c'est très pas beaux. Mal, hein. Ils sont très très beaux. Ils sont beaux ceux-là quand même. Bah, c'est comme les Zelda, c'est Joy-Con, t'oses pas jouer avec. Après. Franchement, oui, t'as peur de les salir, t'as peur de les abîmer. Donc tu les laisses tu ah, les punaise. Laisses et donc c'est accessoirement la première console OLED. Switch OLED. Oui. Collector. Customisée du coup. Oui. Enfin, après, il y en avait une GK. Mais... Vous avez vu notre Instagram, celui qui a gagné. Oh là là. Donc ça, c'est la console. Est-ce qu'on sort y a le... des choses derrière ou pas? Ouais, ouais, des trucs derrière. Bah, la console, on va peut-être pas trop le voir si je pense que si. Oh là 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 là. Elle est sympa. Elle est vraiment belle. Je te laisse ouvrir, je vais chercher le dock. Je vais l'ouvrir. Sans abîmer l'écran. Ah bah il y a ça déjà avant le dock. Il y a les petits embouts pour les Joy-Con, yes. Pour les jouer en manette. Alors, je vais essayer de vous faire un angle pour bien voir. Oui, bon, on voit normalement. Là, normalement, vous voyez plein, un petit peu. Ben, c'est un peu le même pattern que sur les petites manettes. Hein. Oui, je sais pas ça. Si c'est pas la même chose d'ailleurs. Il n'y a pas un truc qu'on retrouverait, tu vois. Alors, attends, t'as une sorte de poisson. Il y a des codes barres. Si, c'est à peu près ça, c'est les mêmes images. Enfin, ouais, c'est le même style, le même graffiti, style. Quoi. Oui, c'est ça, exactement. Elle est magnifique. Hein. Violet. Donc là, la petite lanière, elle est bleu-violette. Par ouais. contre, le petit point, il est violet. Donc ah oui, c'est, bah, c'est ok, on n'a pas fait la même chose. Bah non, on fait les deux trucs, tu vois. Ah, je sais, voilà. Oh là, oh là, c'est elle bon. Pas. Bah, on l'utilise surtout en dock et après, nous, on l'utilise en portable. Donc c'est vrai que ce. On utilise une manette pro, d'ailleurs, il y a une manette oui. pro aussi, collector qui sort. Oui, en même temps. Avec... Avec les mêmes patterns, pareil, attends. Un peu graffiti. Oh là là, l'écran de la OLED. Ouais, t'as pas envie beau. De l'abîmer. Hein. Il brille. Et normalement, voilà, donc là, vert fluo jaune. Et donc là, le petit lanyard qui va. Avec. Avec. Chacun petite... a son petit lanyard, donc comme ça, tu peux pas te tromper. Enfin, c'est pas une lanyard, c'est plus une. Bah, un une dragon. Une dragon, voilà, dragon. Oh là là, c'est joli. Hein. Par contre, tu joues pas à Splatoon avec ça. Je pense que tu peux, je sais pas si tu peux. Mais en ah oui, tout tu cas. Comme ça. Ah oui, tu peux, ouais. Tu joues avec les deux manettes, mais oui, bah, oui, une seule, bah oui. Elle est jolie, hein. Elle est très belle, elles sont très belles. Est-ce que c'est peut-être les plus beaux jeux quand même les Zelda sont... Après, les Zelda sont vraiment fat. Les hein. Zelda sont fat, hein. Je sais pas trop. Vas-y, je vais les mettre sur la console. Après, ouais, les Zelda, l'avantage, c'est que vous pouvez acheter juste les Joy-Con. Oui. Il n'y a pas de console collector. Ouais, mais du coup, c'est le désavantage aussi. Ouais, c'est le désavantage aussi, ouais. Hop là. Oh là 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 là. Je vais les comparer parce qu'on a sorti notre petit Switch. Oh là là, ah oui, mais il y a des... Ah là,
oui, moi c'est. Ah bah voilà. J'ai joué avec. Où donc, ils sont les Joy-Con Zelda. Ouais, moi j'ai peur les animés, je joue avec quand même. Voilà. Bah franchement, les deux plus belles consoles OLED. Hein. Ouais, ouais, c'est... La Splatoon est encore mieux parce que du coup t'as tout le décor derrière. Ouais, après le marchand, c'est vrai que tu le vois pas trop, mais c'est quand même très très joli. Ouais, hein. C'est très beau. Non, c'est très joli. C'est... Et j'aime beaucoup Je pensais vous faire une démonstration avec les Joy-Con blancs j'aime de base. J'aime beaucoup. L'arrière. Oui, j'aime aussi, beaucoup ouais. Le fait que de devant, du coup, ça soit vraiment coloré avec le dégradé. Tu vois vraiment plus de, encore plus loin sur l'autre et caméra. Et de derrière, en fait, t'as vraiment jaune-vert. Le côté donc tentacule sur les côtés. Tu vois, et là, tout là, graffiti. Elle est magnifique. Ah, t'as rayé, ça y est. Ah ouais, oh, oui, fichu. Bah oui. Au moins ouais, ça. Et le dock, parce que le dock aussi, bah, après voilà, Charlotte Sector, le câble HDMI, ils sont pas customisés. Si vous voulez le voir, Charlotte Sector, câble HDMI. On aurait pu penser que ça c'était custom, mais non. Je crois que non. Là, non, ça c'est, rien, classique. C'est un classique. Donc ça vous pouvez l'utiliser de votre Switch classique. Sauf si vous n'avez pas de Switch et que c'est votre première. Mais voilà. En vrai, si vous n'avez pas de Switch et que vous hésitez, achetez celle-ci parce qu'elle est très jolie. Bah. Et c'est possible que sur le long terme, ça soit une console vraiment collector qui soit plus difficile à trouver, un petit peu comme ça. Les 3DS, oui. Zelda, etc., qui sont difficiles à trouver. Alors c'est vrai que c'est la première console collector Splatoon. Bah il y a eu la Wii U avec le packaging, ouais, mais il n'y avait pas de. Voilà. Oui, y avait pas de Il y a une console. Wii U collector Zelda, Wind Waker HD, mais il n'y a pas eu de console. Oui, Splatoon. Voilà, c'est ça. C'est oh là là, la petite tache de peinture. Ah, ça donne envie d'utiliser quand même. J'avoue, dans le décor. Décor ouais. Oh là 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 là. Tu sais quoi? Est-ce qu'on on changerait pas notre Mario? Bah ah oui, elle est dans le décor. Bah oui. Oh là là, c'est trop efficace. J'aime beaucoup le pattern. Ah, moi j'adore le splash. Alors je sais pas si vous verrez celui-là de blanc sur blanc. Alors ça attendez, plus, Ah oui, non, c'est impossible. C'est gris, bah, on essaiera de nous faire des photos de près. Ouais, mais, voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est très beau et j'aime beaucoup la petite tache de peinture devant. Ah oui, moi aussi j'adore. Ouais, bah on va la mettre dans le décor. Bah oui, on va la mettre dans le décor. On va changer la Mario parce qu'on a la Mario. Bah oui, en plus on arrive sur Splatoon. Et donc là, hop, sans trop l'abîmer. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle cette console. Ça claque pas. Franchement. Ça claque un peu. Même. Ça claque, hein. Ça claque. Bah, claque. Les gens, voilà Splatoon, quoi. Bah, Splatoon. Splatoon, la Splatoon 1 à la belle époque, quoi. Exactement. Il y en a plein qui nous ont connus avec Splatoon 1. Bah, c'est notre jeu de prédilection, de notre premier jeu. C'est la Team GK, quoi. La bah, Team GK qui a embêté tout le monde dans le monde entier. On était la team la plus présente sur le jeu. Et encore, sur Splatoon 3. Et là, Splatoon 3. Sur Splatoon 2, on était déjà beaucoup. On 7 ans après Splatoon 1, on est toujours là. Donc, ah bah ouais, on oui. Espère que vous aussi, vous serez au rendez-vous. C'est vrai qu'on a pas une chaîne spécialisée Splatoon. Donc voilà, Splatoon, ça reste un jeu de cœur. Après, voilà, on fait quand il y a des nouveautés. C'est et ça. Et quand exactement. Il y a un entrain, qu'on a envie d'y jouer aussi. Oui. Hein, voilà, on ne sait pas. Oui, on a eu de temps en temps des petites. Voilà. Des petites on aime bien y jouer. Je pense que le 3, on va être très content de faire le mode histoire. Et je pense que on va pas mal jouer au mode en ligne s'il faut débloquer les armes en jouant. Ah bah oui, là on sera au taquet, en plus on mais va pouvoir customiser notre casier. Il y a aussi plein d'autres jeux qui se mettent à jouer. Oh là là là. Non mais mois de septembre, il y a trop de trucs. Ça va être le mois de septembre. Mais c'était ça, je me suis trompé. On va aller mettre ça dans le décor, comme ça vous verrez ça dans la vidéo. Voilà, pour l'instant le teaser dans le décor. Vu que moi j'ai déjà ma OLED avec les trucs Zelda. On voulait absolument. Elle est incroyable. Hein? Elle est belle aussi, ouais. Bon, elle est trop stylée. Après du coup, je kiffe beaucoup le dock. Ouais. En fait, l'ensemble est trop bien avec les Joy-Con, la petite tache. Une des seules consoles Nintendo Switch Collector qui avait fait ça, une des rares. Ah oui, après, t'en as quelques-unes, mais la Mario a été vachement flashy quand même. Ultra, et j'aime beaucoup. Parce ultra, que tout était rouge. Travaillé. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est elle n'est pas ultra travaillée, mais du coup, là, elle est vachement plus travaillée celle-ci. Bah, merci à Nintendo de nous l'avoir envoyée pour vous faire un unboxing et pour changer notre décor. Donc, comme ça, on va changer de. Bah, on va switcher la Switch. Platoon quand même, quoi. Ouais. Splatoon, il fallait quand même qu'on ait cette magnifique petite console. Et puis, ben, on espère vous retrouver sur le jeu. Donc, on va vous montrer, parce que vous pouvez télécharger le jeu. Donc, la démo Splatfest World Premiere. Et normalement, vous pouvez vous promener dans World le hub, tester quelques petites armes dans le personnage. Dojo, paramétrer les personnages. Choisir votre team. Et du coup, demain, on pourra jouer toute la journée. Exactement. En vrai, si vous hésitiez sur la OLED et que vous la vouliez finalement et que vous avez attendu cette collector pour acheter l'OLED, vous avez bien fait. Oui. Parce que du coup, il y a un petit plus, tu vois. Bon, après, c'est un peu plus cher, du coup. Oui, parce que c'est elle collector. Elle est un peu plus chère, vu qu'elle est collector, il y a plus de customisation, il y a plus de travail dessus, mais elle Mais bon, elle ça vaut le coup, elle est très très belle, elle est très bien travaillée, là, 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 là. Elle est incroyable. On valide, on la valide. On se retrouve dans les corps avec la console démo de Splatoon. Déjà, qui est juste et là. Et la console qui est juste là. Là. Voilà, qui a remplacé Mario. Splatoon a remplacé Mario, vous voyez, puisque c'est avec Mario, le jeu à l'honneur. Elle est là. En tout cas, allez télécharger cette démo, elle est gratuite et demain vous pouvez jouer toute la journée à Splatoon 3 en ligne. Normalement, c'est
19h à 21h ou de 10h à 22h. Il y a aussi un code de 7 jours gratuit. Oui, qui va avec. Donc, normalement. Vous pouvez normalement vous débrouiller et trouver les 7 jours gratuits quelque part. Voilà, c'est ça. Et donc, on va customiser notre petit. Ah bah non, bah Octo alors. Parce que soit tu prends un Inkling, soit une Octo. Ah oui bon, ah bah Octo, ouais. Let's go. Let's go. Couleur de peau, on va rester sur le prédéfini. Et du coup, les yeux, c'est quoi en bas? Il y a plusieurs couleurs. Ah, tu veux faire des dégradés? Ouais, c'est trop stylé. Oula. Moi, j'aime bien celui-là. J'aime bien le violet, ouais. Violet. Allez, c'est parti. Ah, on peut changer la coupe de cheveux. Ah, et après, je peux changer. Ah ouais. Ah, c'est classique. Attends, on peut aller voir, du coup. On va juste refaire. Voir avec le... Ah oui, les Inklings, du coup, avec le changement de... Les yeux sont les pas. Reste, et du coup... Ah. C'est pas la même coiffure du tout. Ah non, pas du tout, ouais. Ça, c'est la giga basique. Ouais, ouais, ça, c'est le classique. Il y en a, il y en a plein. Mais 10 000 J'avoue. Oh, c'est trop mignon, ça. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Ah, mais si, mais encore. Punaise, ah, je peux aller assez loin. Ah, non, il n'y a pas tant que ça. J'aime bien celle-ci, la coiffure. J'aime bien celle-ci aussi, ouais. Les sourcils. Celui-là. En mode badass. Ouais. Ça. Ok, en short. Ouais. Ouais, ça me va. Du coup, ça fait quoi? De toute façon, je vais avoir une tenue par-dessus. On aura... Non, mais de toute façon, le t-shirt, on autour de ton pote. Quoi? Ah, tu fais custom. Mais il est trop chou. Oh, il est trop chou. Oh, il est trop chou. C'est ta coiffure. Oui, il a un petit chignon. Il a un palmier. Ah, je sais pas quoi faire, du coup. Ah ouais, moi non plus. Bon, ça, comme ça, c'est trop classe. Comme ça, c'est bien. Bon, ouais. Allez, vas-y. Tout est bon. Tout est bon. Ouais. Allez, c'est parti. On voit bien cette coiffure, c'est bien. Ah oui, c'est ce qu'on avait vu dans bah la oui. démo. Du coup, Apocalypse, tu cherches à avoir la classe. Dans ce cas, fais tes premiers matchs. Mais avant que tu te ramènes au cratère, on va bosser un peu. Vise ton poteau, le salmiage. Ah, le salmiage, mais oui, c'est ça. Ah, du coup, il y a une petite démo, d'accord. Regarde droit devant pour mieux y voir. Appuie sur Y pour revenir à cette vue. Donc ça, c'est le classique. Suis le salmiage, déplace-toi à l'aide de L. Avec la tour Eiffel. Enfin, ouais, la tour Eiffel. Oui, le truc de Chromapolis à l'envers. Ça, c'est facile. Ça, c'est on connaît. Jusque là tout va bien. C'est bon. On dirait que ton poteau a trouvé un truc. C'est ton poteau. Il y a des petits tutos, d'accord. Ouais. Ah bah je savais pas, je pensais pas. Bah ouais, moi non plus. Ah, le liquidateur. Classique. Il est marrant, on dirait qu'il y a un... Il est transparent. Ils ont fait ça, cinématique et tout. Il y a un truc à l'intérieur. Les ballons, classique. Le gyroscope, hein. Va falloir revenir sur le gyroscope. Hein. Oh oui, ça va aller, je pense. En vrai, on a déjà joué un peu, donc... Oui. On s'est remis, puis on s'était mis à Splatoon 2 il y a pas longtemps. Oui, voilà, on s'est réentraîné, et normalement, voilà, ça devrait aller. On avait fait de pas trop jouer à Splatoon 2, surtout en fin de vie, parce que comme ça, moi, t'as le plaisir de rejouer. De rejouer, ouais, c'est ça, exactement. Bah, très bien. Mais on joue pas avec la console, on n'a pas le... position neutre. Saute avec B sous forme de mollusque. On n'a pas la manette Splatoon. Ah non, ouais, non. Mais on a la manette Kim. Déjà, ah oui, c'est la manette avec marqué Kim dessus. C'est-à-dire chacun sa manette. Donc ça, on le sait, il faut que tu casses... On recoupe la couleur, le donne déjà en fait, si tu veux pas avancer. Voilà. Donc là, c'est vraiment le tuto de base, en mode... Bah, faut nous dire s'il y a des gens qui connaissent déjà Splatoon et qui connaissent avec Splatoon 3. S'ils découvrent la licence avec Splatoon 3. Et si vous avez jamais joué à Splatoon avant. Ah oui, c'est bon, fallait mettre une bombe. Ah oui, ça aurait été plus facile. Faut que tu mettes tout en haut. Ah oui, du coup, il y a ça. Bon, en tout cas, il y a de nombreuses teams pierres. Yeah, il y a quelques feuilles et il y a beaucoup moins de ciseaux. Mais alors, ciseaux, ça a été boudé. Ouais, c'est de sur ouf. Le sondage, j'ai l'impression que ça a été très boudé. Oui. Ouais. C'est très joli visuellement. C'est très beau, ouais. Le désert, ça, on l'avait vu un peu dans le Splatfest direct, Splatoon Direct ou Nintendo Direct. Du coup, on a fini Breaking Bad en parlant de désert. Oui, ouais, aussi. Ça y est. Ouais. J'avoue, c'est un peu pareil le désert. Et oui, c'est tout. Ça. Ouais, c'est ouais, mieux si au Nouveau-Mexique et tout. C'est pour ça que j'ai pensé à ça avec le désert. C'est sur Ghibli, il va y avoir un sans-visage ouais, qui va apparaître à côté en mode. C'est bien qu'on ait un petit compagnon. Ouais. C'est cool. Salmioche, il est trop chou. Ouais. De toute façon, nous, on avait vu ça parce qu'on l'avait testé, vous l'avez vu dans la vidéo. Oui, voilà, donc c'est le salmioche et pas le poisson. Ouais, le petit poisson mignon. Du coup, on va arriver dans la ville. C'est pense. Ça. On incroyable. On n'a pas du tout accès la à... La fin, t'as pleuré à la fin. Ouais, c'était pas mal. Splatfest, world premiere. World premiere. World premiere. Oui, ouais. Les trucs annonces de vidéo, là. World premiere. World premiere. C'est bon, on s'est connecté à Internet. Ah, mise à jour, mais on peut pas changer. Quoi, ça a été mis à jour. Attends, les persos vont nous parler au début. Ah, peut-être. Je sais pas. Comme ça, on va les découvrir dans le jeu. Peut-être. On va voir. Peut-être. Chargement. Oh!
Joli. Ah bah voilà. Pasquale. Attention, on monte le son, les tris d'enfer sont dans la place, la contre éclabousse en force. Ah oui, Rami derrière la télé, j'ai pas vu. Du coup, le stage, ah bah oui, il parle du festival. Bah oui, bah oui, du coup, le festival. Ça va être un stage spécial. Et ça, c'est un festival, j'aime bien les festivals. On va faire la teuf. C'est quoi le thème? Vas-y, balance. Ouais, attends deux secondes, les infos sont encore déchargement. Ça y est, le thème, c'est... Oh, alors ça... On se demande ce que c'est, hein, franchement. Je vais lancer immédiatement, allez. Sans plus attendre, voici le film digital. On monte tambour. Pierre, de 10h à 10h. De 10h à 10h. Ah, je croyais que c'était 9h à 20h, mais non, 10h à 10h. Donc, 12h. Donc 12h, oui, voilà. Exactement. 12h de Splatfest. 12h de Splatfest. Je sais pas si on va jouer 12h, hein, mais. Peut-être pas, mais on essaiera d'être là à 10h. Pepper. Ah, Paper. Ah, oui, je voyais son H, je croyais que c'était une sorte. Oui, on dirait un H, mais non, c'est Pepper. Kirby Size Rock. Donc Pierre. Ah, bah, Ciseau. Ah, il joue, il son dessin. Oui, il est pas mal. Bah, Ciseau, ouais. Moi j'aime bien. Et, non, et du coup, oh là là, c'est sous chou. Forme de fête. Ouais, parce que nous on l'a vu. Nous on l'a vu en forme classique. Happy Splatoon 3. Among Us. Among Us, rien à voir. Welcome, Team Ciseau. Ah, il est temps, les t-shirts. Alors, on va choisir un t-shirt. Il est très beau, j'aime pas du tout le feuille. Oh, le rouge est pas mal. Ouais, le feuille est très moche. Bah, non, c'est le pire que je préfère. Le pire est joli. Le pire est joli. Le feuille est pas ouf. Non, le feuille est pas ouf. Allez, sans vas-y. Fait... Non, mais je sais pas. En fait, je sais pas parce que j'ai envie de prendre l'inverse de ce qu'ont pris les gens. J'aime bien, moi. Pour être dans la team minoritaire, quoi. Ouais, pour être que pour deux. Pour perdre, quoi. Pour pas que deux quand on attaquera. Et du coup, si je regarde le sondage qu'on a fait sur l'anglais communauté, faut pas hésiter à aller d'ailleurs le... On prend le plus boudé, en fait. On se dit, oh le pauvre, Je sais pauvre pas. Ouais, il voilà. Est pas pris. 11 000 votes, 64% de pierre, 12% de ciseaux et 24% de feuilles. La pierre vaincra. Bah, la pierre, c'est là où il y aura le plus de gens, et si c'est vraiment majoritaire, ils vont gagner énormément de points. Ah, ils ont été sélectionnés énormément. Ah oui, il y a ça aussi. À moins que ça ait changé. On peut pas aller du coup dedans. Ah. Alors, là, il y a toutes les armes, sauf qu'on n'est pas niveau 6, donc on peut pas les avoir. C'est joli, ça a l'air d'être... Si je dis pas de bêtises, plus ça va être un peu plus beau. Oui, oui, oui. Ouais, le perso. Ouais. Ouais, plus ça a l'air plus net. Ouais. Oh là là, il est trop beau ce magasin. Bienvenue chez Co. Non, j'ai rien dit, c'est pas encore le moment. Faut être au moins niveau 4 pour poser des tentacules sur nos articles. Désolé, c'est pas moi qui ai pondu la règle. Va dans le hall et enquille quelques gardes de territoire. Il est okay. Trop cool ce perso. Le perso est stylé, ouais. Ouais, avec les gachapons derrière, ouais. Les petits goodies, des peluches là, derrière les peluches. Oui, qu'on oui, a. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on avait pris, nous? Moi, j'avais pris un bandeau. C'était ça, moi, j'avais ouais. Pris un bandeau comme ça, mais rose. C'est pas mal, celui-là est pas c'est mal. C'est marrant, hein. Il y a pas mal de customisation. Ouais, bah, il faut prendre un A3. Ah oui, bah oui. Mais ils sont pas ouf. Bah, ils sont pas ouf, ce A3. Hein. Celui-là, il est trop moche. C'est trop moche. A3, donc je sais pas trop. Oh, ouais, punaise, je suis trop triste. Alors, bah, si, le casque à gauche, quoi. En haut. Hein? En haut à gauche. Ça? Ouais. Non, c'est Viking, moche. Non, c'est trop moche. On va mettre ça. Ok, bah, mais c'est pas à 3. Mais le vêtement, ça sert à rien. Chaussures. Bah, ah, il y a des belles baskets. Pourquoi ça sert à rien? Bah, parce que tu auras le t-shirt du. Ah, bah oui. Du Splatfest. Les baskets. Voilà, des petites sandales. Ah, c'est... moi j'avais mis ça, je crois. J'avais mis des sandales. C'est pas mal. Avec des chaussettes. Ah, j'ai mis celle de droite. Ouais, ouais. Ouais ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe internationale. Internationale, au moins ouais, ça. Ouais, mais elles sont pas 3. Il y a des tongs. Non, moi je vais mettre celle-ci là. Il y a 3 emplacements. Ouais, elles sont pas mal aussi. Mais attends, on va être de couleur rouge ou de couleur... Toutes les armes qu'il y a. Et les nouveaux. Les fameuses Tricerceur et Eklatana. Eklatana Dotto. Ok. Ah, c'est trop bien. Bah, du coup, il y a ici la petite émission en temps réel. Ah avec oui. Tous les petits persos, il y a toujours. Mais du coup, ils sont ici. Faut réfléchir. Parce que quand tu vas jouer, tu vas être de couleur bleu-violet, jaune ou rouge. Bah, pas jaune. Pas jaune, j'aime pas la feuille, ouais, j'aime pas la couleur et ouais, le logo passé. Moi j'aime bien ça en mode victoire, tu vois. Ouais. Alors, il faut savoir que 90% des joueurs, ils vont être pierres. En fait, on va avoir, ça se trouve, du mal à trouver des équipes, tu te rappelles de ça aussi? Ah oui, et du coup on va tomber contre des pierres. Ouais, alors que du coup ciseaux, si on prend ciseaux, on tombera toujours contre les ennemis. En fait, il y a pas mal d'avantages à prendre une équipe minoritaire. En fait, on va peut-être changer votre décision si vous pouvez encore choisir. En fait, si vous prenez, alors, de ce qu'on a vécu sur Splatoon de 1 oui. Et 2, si vous prends prenez, l'équipe majoritaire, mais qu'il y a des équipes qui se retrouvent avec 70% de choix, et ben en fait, elles trouvaient pas d'équipe.
pour concurrencer et tu te retrouvais à te battre contre ta propre équipe et en fait bah du coup ça servait à rien. Les ciseaux c'est utile, la feuille c'est utile, mais c'est facile à trouver de la feuille. Oui. La pierre c'est encore plus facile à trouver. Oui. Puis ça reste un caillou, hein. C'est bien les cailloux, oui. Mais bon. Allez, vas-y. Vas-y. Tu vois. Les ciseaux. J'ai dit qu'on ne prendrait pas les ciseaux. Hein. On change d'avis. Mais il faut. T'es sûr, hein? Oh là 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 là. T'es sûr. De toute façon, hein. C'est un Splatfest qui dure même pas une journée. Oui, c'est vrai. on sera plus sérieux sur les autres. Et donc, normalement, vas-y, mets ton t-shirt. Ouais. Ah, il est trop beau. Ah oui, j'ai eu peur. Mais grave, plus beau celui en haut là. J'avoue. Bon, elle est mignon. En plus, ça va avec notre. Eh, mais du coup, t'as la Ré, Rémi derrière. T'as le perso Rémi derrière. Ah, bah ouais, en plus, on a la team. Ouais. Bah ouais. Ouais, non, c'est ok. Trop c'est okay. Trop bien, c'est bon, trop cool. Voilà, c'est décidé. Ah, remarque, il y avait ça. Ouais, aussi. Le. Non, le truc, le. Ça, c'est pas trop mal. Ouais, mais avec deux emplacements. Un truc qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah, la splatiquette. La splatiquette. La splatiquette. C'est trop chou. Bah, faut le changer, comme ça fera moins de bout, tu vois. J'aime bien celle-ci, elles sont j'aime jolies. J'aime bien la fire... Ah oui, celles-ci, elles sont pas celle-ci mal. Celle-ci ouais. Est pas mal. Ah, oui, ouais. J'aime bien celle-ci. J'aime bien celle... Oh, non, je préfère en dessous. Style sinon, on se met en orange. Hein. Non, j'aime bien ça. Non, ouais, ça, j'aime bien. Ça est stylé, ça va être un peu mûr graffiti. Oh, sushi, saumon. Ah, sushi. 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 Relax. Sushi, relax. Sushi. Sushi, oh, voilà. Ah bah tiens, il y a ton pseudo. Ah ventre à pattes sans égal. Sushi, m'as-tu vu? Ça n'est pas une blague, je sais pas. Sushi, m'as-tu ouais, vu? Oui, non, 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 ça veut pas plaque. Sushi déserteur. Sushi dangereux. Ah, sushi dangereux. Sushi chaotique. Sushi baraqué. Non, sushi dangereux, c'est bien. Sushi ça. Dangereux, c'est pas mal. Arnautil, c'est encore un autre nouveau perso. Donc oui. Lui, c'est les accessoires. Donc on voit en bas qu'on peut acheter des masques, on peut acheter. D'ailleurs, il y a des trucs. Des bandeaux, des. On peut échanger casques. Et il y a une sorte de petite flèche vers le haut avec une étoile. Ah oui. Ça ah s'échange oui. Contre des points de. Ah de... ouais. Ouais, c'est. Ou alors tu peux switcher. Tu peux switcher avec un. Avec un autre. Ou Bah, on verra ça. On verra bien. En tout cas. Le 9 septembre. Ouais. Rendez-vous demain, on espère que vous êtes prêts à jouer à Splatoon toute la journée. Et est-ce que du coup si on travaille on monte de niveau et après on pourra accéder aux boutiques, tu penses? J'en ai aucune idée. Je pense qu'on va pouvoir faire quelques parties sympathiques. Ah, on a ouais. Trouvé une team. Oh. Ah, victoire. Mais ah pareil. Oui, bah oui, victoire. Ouais. Sonic, quoi. Voilà, donc faut nous dire et votre Mario team. Aussi, quand il tourne à la fin de Mario 64, il fait wouhou. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand même, c'est ciseaux, quoi. Faut faire péter avoir de pouces bleus, faut s'abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Game et Kim. Allez, salut.